Salutations, mes chatons, c'est Chouquette. Oui, on se retrouve un peu tôt pour les produits terminés en nourriture, mais j'en ai beaucoup, enfin un peu beaucoup trop. Et voilà quoi. Et j'aimerais m'en débarrasser le plus vite possible. Voilà. De toute façon, j'ai terminé le calendrier de l'Avent des Gustavox et la box de janvier, quoi. Donc voilà. Voilà. Et quelques achats que j'avais fait. Donc, c'était le dernier du coup, voilà. The Body Shop. Attendez. Du coup, c'est le stick soin des lèvres à l'avocat, enfin dans la gamme avocat. Voilà. On voit rien, c'est normal. Voilà, je peux le ranger direct. Hop, et oui, ne vous inquiétez pas, je ne saigne pas du tout, hein, c'est ma nouvelle couleur. Que l'autre, c'était brun ou burn, là, c'est en rouge intense. Mais bon, avec la lumière, ça se voit pas forcément, mais je préfère celle-là, celle d'avant. Déco. Bon, on va faire ce qu'il y a déjà dans le carton. Alors. Oh my god. Ça. Elle vient là. Plus de voix. Alors là, c'était Pago aux fraises. Du coup. Donc ça, c'est. Je suis con, c'est ce que j'ai. Ce que mon père a acheté. J'ai plus de voix. Donc ça fait un velouté de fraises, quoi. C'est très 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 bon. C'est un top. Bien évidemment. Alors, ça. Oh là là. La marque La Boulangère. Donc, c'est là-dedans. Là. Voilà. La Dégustabox de janvier. Ça coûte 1,80€. Enfin, pendant que j'ai les prix, hein, je peux le dire. Alors, du coup, c'était les 10 pains au lait frais sans sucre ajouté. Déjà fondus. J'avais même pas marqué. Puis quand ils étaient déjà coupés, en fait. En deux. Et je fais, oh. Alors, c'était cela, hein, du coup. Déjà trop sec. Même avec, sans déconner, même avec du beurre et de la confiture, c'est trop sec, quoi. Je les ai pas trop appréciés. Et en plus, j'en ai mangé que 2-3, puisque la date après était dépassée, 31 janvier 2023. Voilà. Spécialement, voilà. J'ai pas voulu prendre de risque à ce point-là. Pour être très honnête, j'ai commencé. La date était déjà dépassée. Donc, voilà. Hein. Ensuite, je viens de les finir pendant 4 heures. Là, c'est la marque Paquito. Donc, c'était dans la box de janvier de Dégustabox, bien sûr. Et c'était donc 1,85€. Voilà. Alors, c'était les pommes, comment on dit ça, putain? Les compotes, du coup. J'allais dire les pommes potes, non, c'est pas pareil. Enfin, voilà. Du coup, sans sucre ajouté, pommes et brugnons, voilà, qui étaient là-dedans. Et c'est un pur délice. Oui, pur délice. Oh, ah, ça c'est le calendrier. Alors, ça c'est le calendrier, ça c'est. La box de janvier, donc c'était la marque Candrel. Trois parts gourmandes, je la finis. Il y a la dernière, je la finis demain au boulot. Donc fibres et protéines, peanuts et cranberry. Ouais, Nutri-Score A sans sucre ajouté. Voilà, c'était ceci. Alors, c'est un top. Alors, spécialement, du coup, il y a des cacahuètes en fait. Peanuts, moi je m'attendais à la beurre de cacahuète spécialement. Mais bon, ça serait marqué beurre de cacahuète. Et peanuts et des cacahuètes. Et franchement, sur certaines barres, waouh, il y avait beaucoup de cranberry. Il y avait les cranberry. Donc franchement, j'ai bien aimé. Après, il faut faire attention à vos dents si vous avez des dents sensibles. Bien sûr, mais c'est un top.
Alors ensuite, là-dedans, je crois que ça c'est quelqu'un que je me souviens. Alors ça, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça. C'était des M&M's au biscuit, comme les Twix, hein, bien sûr. J'ai gardé que le truc. C'était bon, mais je préfère les Twix. Comme ça, les Twix comme ça. Voilà. Donc, c'est quand même un top. Voilà. Alors, ça. Du coup, voilà. C'était dans la Dégusta Box de janvier. 2,80€ le pack de 4, oui, c'est ça. Donc, ça fait 1,40€ la canette, un truc comme ça. Non, les deux. Pardon. Oui, j'ai divisé par deux. Donc oui. Les deux canettes. Du coup, la marque Lorina, c'était la limonade sans sucre, sans calories. Voilà. Alors, l'expérience a été de courte durée. Deux fois de la même façon. Un top. Attends, j'explique pourquoi. Après, pourquoi un truc. Ici, hein, là, vous, non, là c'est le sommier. J'avais posé ici la canette. À mon avis, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tombé, mais à cause de qui? Bah oui, de Twister. Donc, je vous explique pas en fait. C'est pas tombé comme ça sur le côté. C'est tombé comme ça. Donc un petit peu en face de mon... Alors là, papa, je vais y arriver. Ce qu'il y avait, il y avait ça déjà. Hein, voilà. En dessous, bah en dessous, en plus, il y a les calendriers. Donc, il y a le calendrier trop beau de l'année dernière, de Glossy Box. Voilà. Plein de petits... Mon bordel, en fait. Mon petit bordel. Voilà. Ce qui fait que, voilà, j'ai dû nettoyer derrière. J'ai dû laver derrière parce que sinon ça allait coller vu que c'est de la limonade. Enfin bref. Et hier, du coup, la deuxième canette, de la même façon, par Twister. Je sais pas, il a été attiré par cette canette, ma parole. J'ai plus de voix, pardon, j'ai toujours la gorge irritée. Donc voilà, expérience de courte durée. Mais par contre, j'ai un truc à dire, c'est qu'en fait, t'es obligé de te dépêcher de la boire, la canette. Puisque tu peux pas, c'est pas comme une bouteille, tu peux pas attendre, enfin tu peux pas choisir à quel moment tu veux le. Après ça perd sa pétillance, son gaz quoi en fait. Pourquoi je dis sa pétillance? Son gaz, et du coup voilà. C'est le seul hic que je dirais à cette. À cette canette. J'ai bugué. Je vous jure que j'ai bugué. Alors ça. Du coup. Oh, je sais plus où c'était. Stokomani ou BM, je me rappelle même plus. Du coup, la marque un pronom. Yuki et Love. Heureusement que c'est marqué en anglais. Pardon, oui. Alors c'était du coup Japanese style. C'est peanut mouche. C'est des mouches au peanut. Donc voilà. Pareil, j'ai gardé que le machin. Alors, c'est très très spécial. C'est très. Enfin, très farineux, oui, non. C'est très pâteux. Je vous jure que j'ai mis un temps à le finir. Il y en avait. Je sais plus. Je sais plus, je crois qu'il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 ou 6, je me rappelle plus. Bref, je me rappelle plus, mais là, je crois que c'est. Vu comment c'est positionné, oh, je ne sais plus. Bref, peu importe. C'est très spécial. J'ai envie d'en goûter pour pas m'arrêter qu'à celui-ci. Et pour le moment, c'est pas très ouf. C'est pas très ouf, donc c'est pas l'extase en fait. Hein. J'ai réussi à manger, mais c'était pas l'extase. Donc pour l'instant, ça c'est. Je dirais pas bon, mais c'est un flop quand même. Premier flop. Alors, ah bah ça, c'est. Oh, je vois. Ça, du coup,
c'était dans le calendrier. Voilà. C'était dans la Degustavox de janvier. C'était la marque Lyon. C'était les céréales Lyon bio. C'est ça. Voilà. Donc, tout simplement, si vous connaissez les lions en céréales, tout simplement, c'est la même chose. J'ai l'impression que, bah, du coup, c'est moins sucré, quoi. Tout simplement. C'est moins sucré, mais c'est... Parce que c'est quand même un Nutri-Score C, hein. Voilà. Donc, ça m'a fait un bol, bien évidemment. Voilà, voilà. Donc, c'est... Oui, c'est bon, c'est un top. Pardon. Ah. Ah, je vais finir à la fin. C'est dédicace. Alors, qu'est-ce que j'ai terminé là-dedans? Alors, ça j'ai dit. Alors, bah oui, bah la marque Candia, hein, parce que je la finis demain aussi à mon boulot. J'avais reçu les petits clics là, les petits clics aux fraises, 1,65€. Du coup, ouais, c'est bon en fait. C'est les mêmes trucs qu'on connaît en fait, spécialement si du lait à la fraise. Ensuite, ah oui, je l'ai jeté parce que attention, j'aurais donné, mais voilà, là j'ai dû le jeter parce qu'il a gonflé et percé. Je sais pas comment il s'est plié et il s'est percé. Je pense qu'il s'est percé au niveau de la pliure du carton. Donc du coup, c'était le Vita Coco, enfin, la marque Vita Coco, donc organique. C'était l'eau de coco, vous vous en souvenez? Donc je l'ai jeté ce matin. Hein, voilà. 4,50€ le litre. Donc voilà, j'aurais dû le donner, mais vu que moi je fais non. Voilà. Ensuite, le Lipton, c'est pareil, je l'ai donné à ma tante, elle l'a bien aimé le Lipton, c'était le thé noir. Hein. Voilà. Mais la marque Lipton, du coup, et donc 1,50€, elle a bien aimé. Donc voilà. Ensuite, ça s'est fait. Les Miraculous, c'est pareil, bon, moi je connais, donc voilà. J'aurais pas donné mon avis parce que j'avais déjà donné sur les produits de beauté. Hein. J'ai donné à ma tante aussi. Et du coup, le produit du mois, donc, c'était les bons duels. Donc c'était le Lunchable Épeautre. Donc il y avait. Est-ce que c'est marqué les. Ah, oui. Donc de petits pois, de haricots. Il y avait des petits pois, des haricots. De haricots cornis, j'y arrivais. Hein. Poivron. Voilà, c'est tout, je crois, voilà. Et du coup, spécialement, j'ai décidé de le manger froid. Je l'ai mangé à midi. Spécialement, je le trouve un peu sec. Même si j'avais fait chauffer, je pense que ça aurait été pareil. Je le trouve un peu sec. Et je l'avoue, j'ai mangé que la moitié. Par contre, c'est très copieux. Il y a une bonne, il y a une bonne portion. 2,59€, voilà. Donc ça c'est terminé, voilà. Et bien évidemment que j'ai terminé le premier calendrier que j'ai terminé de l'année. Ouh, c'est celui de Degustavox. C'était un peu logique entre ce que j'ai donné, voilà, je vais vous le dire. Hein. Donc ça, voilà. Alors j'ai donné du coup, parce que vous, de toute façon je vais dire ce que vous n'avez pas vu en premier terminé bien sûr. Donc, la marque sac là, j'ai donné le caviar de tomate à la truffe blanche d'été à ma grand-mère. Ça, c'était déjà dit. Ça, le mois dernier. Ça, j'ai donné le... Ah oui, le look au look, là, tu sais, les... Qu'est-ce que j'avais... J'avais quoi? Ah oui, les demi-crunchy, là. C'était pas ouf, de toute façon. Ça, j'ai déjà donné mon avis. Ça, du coup, voilà. La marque Green Dose, le pouvoir des légumes. Donc c'était préparation pour super crêpes bio, sucrées ou salées, à la base de betteraves, pois chiches et lentilles. Sans colorant, sans sucre ajouté. Voilà, ça donne de la protéine, des phosphores, de calcium et de la fibre. Donc c'est vraiment tout est bio là-dedans. Voilà, c'était ça. Et oui, c'est un flop. C'est un flop tout simplement. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai posté dimanche du coup. Non, qu'est-ce que j'ai raconté? Je sais plus quand est-ce que j'ai posté, mais j'ai posté. Voilà,
sur le feed et en story. La préparation et puis le résultat, quoi. Alors, tout le monde a goûté, pas tout le monde, mon père, moi et ma mère a goûté la pâte à crêpes comme ça. C'est le goût de terreau. Bon, ça sent la betterave, hein, mais quand t'as le tulle en bouche. Aïe, 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 aïe. Tu bois de l'eau, ça passe pas avec de l'eau déjà. Donc voilà, bref. Déjà, c'était pas bon en goût. Hein. Ensuite, une fois cuit, spécialement, en fait, il n'y a pas trop de goût. C'est vrai, il n'y a pas trop de goût. Par moment, tu sentais la betterave, mais voilà, pas partout, pas sur toute la crêpe. Donc voilà, je vous le dis. Très honnête, du coup il y a 5 crêpes qui ont été mangées sur 10. Parce que moi j'en ai mangé 2, j'ai fait l'effort d'en manger 2. Ma mère en a mangé une, mon père aussi, et ma soeur aussi. 3 et 4, 5, ouais, c'est ça. 5 sur 10. J'ai fait, ouais, c'était, il y avait marqué quoi? 12 à 14 crêpes. Bah. Voilà. Donc franchement, ça flop. Bah, de toute façon, faut que je... Ah bah c'est juste après en plus. Voilà, c'est le dernier produit que je vais vous présenter d'ailleurs. Alors après il y a des petits clins d'œil. Alors c'était la marque SodaStream, donc qui c'est concentré 7 Up, je vais y arriver. Free Mojito et ça c'est 6 balles hein, pour arrondir. Là. Donc, voilà. Faut dire la vérité, Beverly, j'ai pas aimé pourtant le burrito, voilà. C'est bah du coup quand t'as pas la machine, hein, parce que la SodaStream c'est une machine pour faire du gaz, hein, des boissons gazeuses pardon, et parce que du gaz. Mais oh, allez, hop, c'est fait. Et du coup, non, du coup j'ai pris de la limonade. Ça fait tout aussi l'effet hein, de toute façon, mais j'ai pas apprécié. Après avoir avec un autre goût quoi. Voilà. Ensuite bah ça j'ai donné. Voilà, pas sur les purées. Hein. Ça j'ai déjà dit. Ça j'ai donné. Ah merde, je suis con. Si j'ai donné, mais je dis pas, je suis con. Ah non. Voilà. Je vais donner bien évidemment. Le lait de coco allégé qu'on a reçu hein, à ma cousine. J'ai donné les épices véritables, donc c'était quoi déjà? C'était la nigelle que j'avais reçue à une tante. Ça, j'ai déjà donné mon avis. Ah si, il faut que je donne mon avis, mais il n'est pas fini, mais bon. Tout le monde connaît, c'était la marque Ancel, c'était les tubos de Noël là. Donc j'ai pas reçu les trucs de Noël, mais c'est pas grave. Bah c'est comme tu aimes ou tu aimes pas, quoi, en fait, tout simplement. Donc c'est pas mon dada spécial. Mais mes parents ont aimé ça. Ensuite, ça j'ai déjà donné mon avis, ça aussi, ça aussi. La sauce au bleu Benedicta, du coup. Oui, c'est à manger avec une viande spécialement. Faut aimer quoi. domaine de la croustille, parce que je sais pas si j'ai donné mon avis pour le coup. C'était la chips millésime à la truffe d'été, 3 euros. Faut dire la vérité, j'en ai mangé que deux sur tout le paquet. Personne n'a aimé à part moi et ma nièce, mais non. Quand même assez amer. Voilà. C'est terminé. Alors ensuite, vous savez ce qu'il y avait là-dedans? Des guimauves. Donc ça c'est Stokomani ou BM. Donc c'était des marshmallows, la marque Woogie. C'était bon. Voilà, tout simplement. Je vais garder le machin pour faire une autre utilité, laquelle vous saurez prochainement. Vous serez prochainement dans la vidéo avec Glossy Box, vous allez voir.
Oh, ça va encore. Pourtant, j'ai nettoyé. Mais ça sent encore. Voilà. Oui, je vais finir la vidéo comme ça. Ou pas, parce que si vous ne m'entendez pas, ça va faire bien. Je vais faire pour le délire. Enfin, le délire, je me suis compris. Donc, on fait. Ça pique le nez. De toute façon, on finit avec la marque Trolley. Donc du coup, c'était des vers de terre. Ah, voilà, vous voyez là. du coup, c'était bon. J'ai bien aimé les vers de terre. Qui est cru? Et du coup, la même marque, là, c'était des... Ah oui, c'était des vaches. C'était des vaches, girafes et... J'ai l'impression qu'il y avait des... Non, c'était... Oh, bref, peu importe. Voilà, ça. Ah, j'ai apprécié aussi. De toute façon, c'est de la gélatine. Voilà, voilà, j'en peux plus. Ah, ça pique le nez. Ah, que des conneries, Beverly. On a vu que ça donne l'intérieur. Donc du coup, voilà, c'est terminé. Donc du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 3, pardon. 3 flops contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. 10 tops contre 3 flops, ça va quoi. Voilà, je vais pouvoir mettre à la poubelle à part ça. Je suis désolée, ça pique le nez. Voilà, donc si ça vous a plu... Désolée, si ça vous a plu, bah vous savez ce qu'il reste à faire, hein. Petit like, petit commentaire, un petit abonnement, si le cœur vous en dit. Moi, il vous reste plus qu'à vous faire des gros bisous, je vous aime, et on se retrouve pour la glossy box qui devrait pas tarder à arriver. Bisous.